अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, notre père est réveillé. Le protecteur de Pravesh Nagar, Ketarak, et aussi de Shaipur. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Mets de l'eau dans un pot en cuivre, apporte une brosse à dents et un racloir. Manque la serviette sur le balcon. Va vite la chercher. Allez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Où se trouve mon précieux? Je vais l'appeler. Papa, de l'eau pour vous gargariser. Pourrais-tu me dire, qui est ton père? Vous. Alors qui dit ce qu'il faudra faire? Oui, vous. Donc? Oui, papa. Oui, oui, père. Je vais l'appeler tout de suite. Roup! Gloire à la déesse.
J'ai vu le visage de tout le monde tôt ce matin. Mais si je ne vois le visage de mon enfant favori, ma matinée n'est pas complète. Très bien, papa. Je l'appelle tout de suite. Roup ! Roup ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7... Roup ! Roup ! Ton père demande après toi, mon fils. Roup ! Père est en train de t'attendre, mon frère. Roup ! Roup, je t'appelle depuis si longtemps. Tu ne peux pas m'entendre ? Je peux parfaitement vous entendre. Mais vous autres, vous ne pouvez pas voir que mon thé est en train de déborder. Oui, et c'est la colère de papa qui augmente là-bas. Vas-y, je vais préparer le thé. Bon, d'accord, dis-moi ce qu'il faudra que je fasse. Compte d'abord jusqu'à 20, puis mets le sucre. Ensuite, compte jusqu'à 65 et éteins tout. Et filtre-le. Très bien. Et écoute. Bon, cesse de parler, sinon c'est papa qui va tous nous faire taire. Bon, descends, tu n'es pas sur ton cheval. Oh, mais Roup ! Roup ! Bonjour, papa. Roup ! Dans mes bras, mon précieux. Rien qu'en te voyant, j'ai un regain d'énergie. Viens, attrape-moi ça. Ohé ! Vas-tu donc rester en cuisine ou bien vas-tu t'occuper de mon fils ? Il est arrivé ici en courant. Et s'il s'était cassé une jambe en tombant ? Va faire le tour du village. Ce garçon qui a 3 sœurs plus âgées que lui ne devrait jamais poser les pieds sur terre. S'il le fait, ses sœurs devraient être noyées dans un réservoir d'eau. Mon précieux fils. Et... qu'est-ce que tu as fait, à part mettre au monde 3 filles comme là, alors que j'ai travaillé si dur pour obtenir un fils? Et j'ai de ce fait accompli mon devoir de père. Mais toi, quand assumeras-tu ton devoir de mère? Oui, je... Arrête de dire je et de bégayer. Je voudrais avoir du grain au curry et aussi du pain tout chaud, pour moi et mon fils. Oui. Attendez. Va-toi. Quel est le nom de votre frère ? Rupendra. Son nom complet ? Rupendra Singh Wagela. Eh bien, quand il a un nom si joli et si masculin, Rupendra, alors pourquoi l'appelez-vous Rup ? Serait-il la reine Rupmati, avec un prénom de fille ? Toi, dis le nom de ta mère. C'est... Kamla. Mais non, avant son mariage, c'était Kamlesh Kumari. Maman s'appelait Kamlesh Kumari, papa ? Oui, mon fils. On dirait bien que son père aussi voulait un fils. Il a même choisi son prénom. Kamlesh Kumar. Mais une fille est née. Son souhait ne s'est pas réalisé, mais il a quand même gardé le prénom pour se sentir mieux. Mais les prénoms des filles devraient rester des prénoms de filles, féminins. Et les prénoms de garçons devraient être comment ? Des noms masculins. Je vous dis, et c'est la dernière fois, vous devrez toutes l'appeler Rupendra. Oui. Kinjal. Oui, oui, papa. Le journal est là. Oui, je l'ai apporté, papa. Donc ?
Oui, c'est que la prof va lire tout un chapitre à l'école. Ah oui. Donc une fille comme toi deviendra collectrice d'impôts. Ou alors le Premier ministre parle. Lis le journal. Sinon, je vais arrêter ton éducation. De suite comme je l'ai fait pour ta sœur en quatrième. Commence à lire. Pourquoi restez-vous là toutes les deux à me regarder? Allez, faites donc vos travaux. Et en page 5, le poseur de bombes dans le stade sportif en 2003 a demandé une caution pour pouvoir se marier. Mais plus de beurre sur les galettes, hein? Passe-moi les épices et le sucre de palme. Oui, maman. En page numéro 8, dans le stade Sardar Patel, l'inspecteur le plus brave recevra un prix de la surintendante Durga Devi Agarwal pour service méritoire dans la police. Papa, c'est pour le trophée que tu recevras aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis le meilleur à protéger tous les gens du village. Mais la nouvelle des crimes, elle fait la une. Alors que la mienne est en page 8. J'ai une bonne envie de transformer ce journal en une flûte à bec. Je ferai danser tous ces journalistes sur ma musique. Himani, va vite laver ça. Oui, maman. Papa arrive! Gloire au Très-Haut! Que ma bouche et mes jambes fonctionnent bien. Gloire au Très-Haut! Que ma bouche et mes jambes fonctionnent bien. Cette première marque est pour mon plus grand tigre. Et cette deuxième marque est pour mon petit tigrou. Cette première marque est pour mon plus grand tigre. Et cette deuxième marque est pour mon petit tigrou. Bon, venez, prenons le petit-déj. Venez. Toi, la fille, emporte-moi ça et fais vite. Fais vite, fais vite. Ah, bonjour. Je reviendrai vers les 16 heures. Et il y aura 10 à 12 personnes de la division. Assure-toi pour les arrangements. Oui. Jean-Michel, c'est une journée très auspicieuse. D'un côté, tu vas obtenir un trophée et écoute l'autre nouvelle que je vais te donner. Comme je suis sortie du temple ce matin, j'ai rencontré Chabou, le charpentier. Il m'a dit que dans 20 à 25 jours, ta nouvelle maison sera fin prête. Son travail est rapide, mon frère, oui. Mais papa, ici, c'est notre maison. Pourquoi on doit aller habiter dans une autre maison? Parce que c'est un logement de l'État. Ce n'est pas notre maison. Et je n'aime pas être l'otage de qui que ce soit. C'est pourquoi je me fais construire ma propre maison. On va rester ici encore quelques jours. Et ensuite, nous irons habiter chez nous. Je t'apporterai tes gâteaux sucrés préférés aujourd'hui. Apporte le pudding de couleur rouge, s'il te plaît, papa. C'est sûr. Je m'en vais. Tu vois la belle table où je garde toutes mes récompenses et trophées? Mets-les tous dessous et installe-les tous joliment. Je mettrai mon récent et plus beau trophée sur cette table. Pardon. Au revoir, papa! Kinjal! Oui, oui, papa! Pourquoi le jouet de Rupendra traîne-t-il par terre? Tu te promènes dans toute la maison avec ta poupée, alors que les jouets de mon fils traînent dans toute la maison. Pourquoi? Mais je ne l'ai pas jeté par terre, papa. C'est Rupendra qui l'a lui-même jeté là. Papa, ce qu'elle dit est vrai.
jeter les choses un peu partout. Est la nature d'un mâle. Oui, bien sûr, oui, oui. Cela ne fait rien, mon fils. Mais toi, tu es une fille. Quand apprendras-tu à bien garder les choses? Apporte-moi ça. Et prends ça. Tu es un homme, toi. Et un fusil a l'air bien. Dans les mains d'un homme, mon garçon. Hum? Un fusil. Je m'en vais. Va jouer, hein? Pardon, tu t'es fait gronder à cause de moi. Cela ne fait rien. Maman, dorénavant, je veux plus jamais jouer avec ce fusil-là. Chut! Ne dis jamais une telle chose. Devant ton père, Dakaro. Tous les braves officiers de police du département de district sont les bienvenus sur le terrain de Sardar Patel. C'est une grande fierté pour tout le département. Aujourd'hui, Durga Devi Agarwal, la policière la plus émérite de notre zone, va présenter des trophées de reconnaissance à quatre de nos meilleurs officiers de zone. Officier Ashok Achar. Grande déesse, je t'en prie, continue de donner du succès à mon mari. Parce que toutes les médailles et trophées qu'il obtient sont une vraie fierté pour moi. Dire que quand il ramène tout cela à la maison, alors je sens comme si c'était moi-même qui avais reçu tous ces prix. Reine Kamla, si tu continues à sonner cette cloche creuse dans le vide, qui servira à manger? Pose ce plateau et prends vite un rouleau à pâtisserie. Un. Ah! Ah! Oh! Rupendra? Mon garçon? Qu'as-tu fait, mon fils? Tu as encore jeté ce fusil? Va, reprends ce fusil et viens avec moi. Viens, viens, viens. Hé, ma fille! Où crois-tu aller? Va! Viens, viens donc, viens! Et pour terminer, nous appelons le plus brave de tout le département. L'officier qui fait trembler tous les voyous et criminels rien qu'à l'évocation de son nom. Ses actions, de même que son nom, sont comme celui d'un grand tigre. L'inspecteur Shamsher Singh Wagela. Thank you.
Shamshir. Salut là. Pour travailler dans le département de la police, on doit être un homme et un vrai. Et mon frère Shamshir Singh, lui, c'est un vrai lion parmi les hommes. C'est vrai. Vous le savez tous, n'est-ce pas? Le département a donné une douzaine de trophées et des médailles en or à mon cher frère. Je crois bien que cette fois-ci, il faudra acheter une vitrine flambant neuve afin de placer tous ces trophées, n'est-ce pas, hein? Shamshir, qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Salue la surintendante tout de suite. Je ne salue jamais la race féminine, moi. Maintenant, levez la main. Ceux qui voudraient prendre une photo avec mon frère Shamshir. Oui, 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 c'est bon, vous pourrez tous en prendre une. Mais écoutez, il vous faudra tous venir à 16h pile. Nous ne demandons pas des sous pour la photo, mais apportez vos téléphones qui ont des caméras, hein? Ah... Shamshir, salut là. Le travail que j'ai fait est une vraie source de fierté pour moi et pour mon département. Je ne peux pas m'abaisser et ravaler ma fierté en saluant une femme. Shamshir, la surintendante Durga Devi est notre chef et ne pas saluer son supérieur va à l'encontre de la loi. Qu'importe qui c'est, mais c'est une femme et je ne pourrai pas compromettre mes principes et mes valeurs pour la satisfaire. Dans ce cas, sachez que votre trophée vous sera enlevé. Et vous serez suspendu de votre poste. Vous ne me connaissez peut-être pas, Madame Durga Devi. Je suis quelqu'un qui n'a peur de personne. Et nul ne peut me forcer à faire des choses. Et me suspendre. Faites-le donc. Je n'ai aucun problème avec ça. Vous êtes donc suspendu pour votre indiscipline, inspecteur. Avec effet immédiat. Mais où est passé Rupendra? Rupendra? Quelqu'un aurait vu Rupendra? Regarde ma sœur Kaushalya. Rupendra est en train de jouer là-bas avec ce groupe de filles. Oh non, Rupendra! Rupendra! J'ai gagné! J'ai gagné! Rupendra! Rupendra, que fais-tu ici? Que fais-tu, mon enfant? Hein? Ton père est allé prendre un trophée pour ses prouesses et toi, tu joues à ce jeu stupide parmi toutes ces filles! Comment puis-je te faire comprendre? Regarde ça. Ça. C'est ça, ton jouet, mon garçon. Tiens, attrape. Et tire. Tiens! Tiens! Ma tante! Oui? Laisse donc Rup jouer avec nous pendant un moment. Mais non! Il ne deviendra pas comme toi, hein? Idiote! Viens, viens, vas-y, viens donc. Tiens, attrape-moi ça, hein? Tu ne dois jouer qu'avec ça. Ne perds pas ton temps à jouer avec les filles et ne va pas partout, d'accord? Allez, viens, viens. Poussez-vous, laissez-moi passer. Oh, mais waouh, 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 waouh! Mais c'est fantastique! L'orchestre est là. C'est vraiment un événement classe. Waouh, waouh, waouh! Et où se trouvent les guirlandes de fleurs? C'est là. C'est bien, là. C'est fait, d'accord. Mais vous mettrez une guirlande après l'autre, hein? We'll be right back.
Ce jour est un très grand jour pour lui. Lors de mon mariage, ma mère m'avait offert ce tapis et je l'ai sorti. Bon, écoutez-moi bien, vous autres. Dès que mon frère Shamshair va arriver, vous crierez tous des vivas pour lui. Ensuite, les hommes d'orchestre, vous jouerez de « N'hésitez pas à taper fort sur vos tambours, boum, 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 hein ?» Est-ce que tout le monde a compris? Écoutez, je dois rentrer accomplir quelques tâches. Dès que vous voyez Shamshair, appelez-moi tout de suite, hein? Je reviens vite. Rupendra, laisse donc ça. Je vais le faire. Pourquoi est-ce que tu m'appelles Rupendra, maman? Appelle-moi Rup, ça me plaît beaucoup. C'est seulement papa qui m'appelle Rupendra. Ces boucles d'oreilles te vont très bien. Je les mets? Oh mais, laisse. Je vais les mettre. Rup! Tu aides maman depuis si longtemps. Viens m'aider, moi aussi. Viens par ici. Kinjal, c'est celle-là que tu vas porter? Mais je ne crois pas que ces boucles d'oreilles tireront. C'est vrai, tu as raison. Oublions celle-là. Je vais porter ces petites. Maman, puis-je poser une question? Oui, vas-y. Depuis mon enfance, je te vois. Tu travailles dur toute la journée. Et le soir, tu prends la peine de te faire toute belle. Pourtant, mon père, lui, il ne prend même pas la peine de te regarder. Pourquoi fais-tu tant d'efforts? Ce que tu observes depuis l'enfance. Moi aussi, je l'ai vu depuis toute petite. Tu sais, à la maison, pendant la soirée, ma mère et mes belles-sœurs se faisaient belles pour leur mari. Et elles les attendaient. Peu importe si leur mari les remarquait ou pas, Imani. J'avoue que moi aussi, cela me plaît de m'habiller pour mon mari. Je ne comprends vraiment rien à tout ça, maman. Quand tu seras une femme mariée, tu vas comprendre tout ce que je te dis. Maintenant, vas-y, laisse-moi me faire belle. Reine Kamla, si tu as terminé ta routine de beauté, viens, c'est l'heure d'accueillir mon frère. Et vous autres, dépêchez-vous aussi de venir, hein? Allons. Tambour! Arrêtez tout ça, arrêtez-moi tout ça. Tout cela n'est pas nécessaire. Kinjal, allons descendre, d'accord? Maman, on descend? Oui, vas-y. Kinjal, accompagne-le. Viens! Je vous dis que cela n'est pas nécessaire. Arrêtez tout cela. Imani, Jigna, venez. Rentre à la maison. Mais que se passe-t-il, mon frère, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est parce que tu as une récompense que nous célébrons ton succès. Avez-vous tous des yeux, dites-moi, hein? Ai-je un trophée dans les mains? Où est ton trophée, hein? Je n'ai pas eu de trophée. En plus, j'ai été suspendu. Oh, non, non. Suspendu? Mais pourquoi? Madame, il vous a insulté devant un si grand nombre de gens. Ce n'était pas bien.
Il ne s'agit pas de mon humiliation, mais sa manière de penser. Après avoir rencontré Shamsher, je me demande vraiment si une femme vient dans son commissariat afin de loger une plainte, messieurs. Comment va-t-il se comporter avec elle? Les gens ont déjà peur des policiers. Et s'il existe des policiers comme lui, notre réputation sera ternie. On doit arrêter de prendre à la légère le statut des femmes. Cette réflexion des hommes va devoir changer. La pensée d'un homme n'est pas comme le rouge à lèvres d'une femme, qui peut s'effacer, s'abîmer, s'essuyer ou même changer. Parce que j'ai refusé de la saluer, elle a décidé de me suspendre de mon poste. Vous les amis, dites-moi, où est mon erreur? Madame, il fait très bien son travail d'officier et tout le département le connaît, comme un homme qui est très efficace. Je ne sais pas de quelle façon la police le juge comme un homme efficace. Il est un homme très ignorant. Il est têtu et très orgueilleux. C'est comme ça que je suis. Parce que je suis un homme, moi. Et un homme peut vivre. La vie qu'il se choisit, c'est son droit légitime de vivre ainsi. Ce que je souhaite maintenant. Ah non, pas maintenant, plus tard. On doit célébrer. La fête, faisons-la. Dis, Tesh, apporte les gâteaux. Oui. Apporte-les. Le village entier devrait savoir maintenant qu'un policier pense de cette manière et qu'il a insulté et humilié une femme. C'est pour cela que tant qu'il ne présente pas d'excuses devant le grand public et qu'il ne me donne pas également l'assurance qu'il va désormais respecter toutes les femmes de notre société, il sera suspendu. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Vous pouvez disposer. Et maintenant, advienne qui pourra. Mais je ne saluerai pas une femme, ça jamais de ma vie. Dites donc, vous autres, êtes-vous venus assister à mes funérailles? Jouez donc de la musique, tapez donc du tambour, allez, allez! Oui, jouez! Dis-le, frère! Frère! Qu'importe ce qui peut arriver, nous ne saluerons jamais une femme, nous autres! On ne le fera pas! On montrera à la femme sa vraie place! Nous, les hommes, ne sommes pas nés pour lui lécher les pieds! Dites-le! Frère!